Salut à tous, c'est Trouf de CTV. On est toujours sur le stand Gigabyte dans la Taipei 101, la tour 101, la deuxième tour au monde. Et il y a un truc qu'on va vous montrer, ça s'appelle un nouveau prototype. Donc c'est toujours le jeu de qui a la plus grosse. Concrètement, ça va être la prochaine Z77. Et c'est leur nouvelle série, les UP quelque chose. Donc là, ça sera la UP7. Ça sera la plus haute, la plus puissante carte mère qu'ils vont avoir du côté Z77. On va juste faire le tour des features qui pourraient nous intéresser, nous, en tant que coverclockers et extreme users, pour ceux qui regardent les vidéos. On va commencer par le OC Gear. Vous vous souvenez, ça vous permet d'augmenter le coefficient, le FSB, ces choses-là. On a toujours 4 slots de RAM, normal, c'est du Z77, on peut pas en mettre beaucoup plus. Truc extrêmement important, ou qui va être extrêmement qui coulole pour savoir qui a la plus grosse, il y a 32 phases de RAM dessus. Bon, c'est drôle parce que sur certaines cartes mères, elles en utilisent 6 et puis c'est largement suffisant. Mais là, ils se sont dit, ah, ok, bah, on va en mettre 32. C'est un petit peu un proof of concept du fait, on peut en mettre beaucoup plus. Puis ça va vraiment faire un truc pas mal trash. Donc on va voir ce que ça va donner une fois qu'on pourra aller vraiment tester la carte, parce que pour l'instant ça reste un prototype qui démontre ici. La carte sera vendue, c'est sûr et certain, on nous l'a confirmé. Le seul truc qu'il y a, c'est que on peut pas savoir encore le prix, il n'y a pas de prix, il n'y a pas encore de version finale, on n'a pas le cooling, des choses comme ça. Autre chose importante pour les cloqueurs, on a le debug code qui commence à devenir quelque chose d'assez particulier. On a le connecteur d'alimentation SATA. Ce connecteur là, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça permet d'alimenter les lignes PCI Express en alimentation externe, en fait, supplémentaire, pour quand il y a des grosses cartes graphiques ou quand il y a du 4-way SLI ou 4-way Crossfire, ça permet de le faire plus facilement parce que ça supporte du 4-way SLI puis du Quad Crossfire. D'après leur scène marketing, ça supporte le PCI Express génération 3. On va voir comment c'est dans les faits. On voit qu'ils ont un chip PLX ici. Ça va permettre justement de splitter toutes ces lignes-là puis de permettre que ça fonctionne. On va voir dans les faits exactement comment ça se fait. Est-ce que c'est juste les premiers slots qui sont reliés directement au CPU ou est-ce que c'est tous les slots PCI Express. Et sinon, pour regarder à l'arrière, on retrouve les, comme sur les cartes high-end de gamer qu'il y a eu un moment, c'est-à-dire on a deux cartes réseau, on a une carte son, on n'a pas de carte son, on ne connaît pas le bundle, donc peut-être qu'il y aura une carte son qui sera bundle avec, on ne sait pas. Et sinon, output normal, c'est du Z77, donc vous pouvez utiliser ça directement, HDMI, DisplayPort, DVI, VGA. Personnellement, le DVI et le VGA, je vois plus trop l'intérêt, mais bon, on aurait préféré du double HDMI et double DisplayPort, ça aurait été parfait. Mais on peut comprendre que pour certaines personnes, ça puisse être utile. Donc voilà, ça c'était la Z77. Ouais, c'est la Z77XUP7. Bon, il y a plein de 7 dans le nom, mais voilà, ça fait 7, 7, 7, 7, 7. C'est très bien, c'est très gros, c'est moi qui ai la plus grosse. Enjoy!